Nous là pour nous gommer chaque jour, pour nous faire droit femme respecter. Et la police avec la justice toujours aider nous dans ce sens ça. Dans l'esprit PAM, le combat ministère femme a mené, ce n'est pas une lutte pour mettre les femmes sous tête garçon, ni pour mettre elles en face garçon. Mais c'est plutôt une lutte pour faire respecter les droits femmes, mettre elles côte à côte avec garçon pour avancer ensemble sur le chemin de développement. C'est vrai, on dit que c'est les femmes qui sont chef dans le ministère. C'est eux qui occupent les gros postes, c'est eux qui décident. Je réponds que c'est normal pour le conseil. Parce que c'est les femmes qui ont une formation, c'est eux qui ont une expertise pour diriger et mener une lutte. Mais chaque fois qu'un garçon qui apporte une contribution dans un domaine ou dans l'autre, il est toujours bienvenu dans le ministère. Là. Il est occupé un poste décisionnel. Après mon départ pour le ministère à la condition féminine, nous nous sommes mis ensemble et avons fait le choix d'aider celles qui ont le plus besoin de nos expertises, de notre support. Nous l'avons fait à travers notre institution Governance Group. Celles, nous avons dit que nous voulions supporter. Supporter ces filles, ces femmes qui vivent quotidiennement une violence. Une violence parce qu'elles sont femmes, une violence parce qu'elles sont faibles, une violence parce qu'elles sont filles. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis avec vous. Voilà pourquoi je continue encore à travailler avec le ministère à la condition féminine. Voilà pourquoi je continue encore à lutter aux côtés de ces filles, aux côtés de ces femmes, pour que le demain d'Haïti, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons la société haïtienne vit actuellement de sérieux problèmes. Et voilà pourquoi nous, femmes haïtiennes, nous sommes vraiment aux côtés de nos hommes, aux côtés de nos politiques. Nous sommes des femmes qui veulent travailler et qui veulent que tout change et que notre pays devienne un pays, une société égalitaire, une société qui veut aller à l'avant, une société où l'on retrouve un pays, où l'on retrouve un développement durable. Je me sens très fière et honorée de pouvoir vous accueillir à ces lieux, à l'occasion de la célébration du 24e anniversaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Au nom du gouvernement de la République, au nom du personnel du MCFDF, et en mon nom propre, je vous remercie de votre présence et vous souhaite à vous toutes et à vous tous la plus cordiale bienvenue, spécialement. Femmes parlementaires, nous, qui toujours derrière nous. Et nous, pour parlement, supposons qu'il y ait plus de femmes voyantes, plus de femmes diantes. Les que nous-mêmes, dans le gouvernement, en tant que femmes, les que nous parlons de femmes causées, pour nous pas peur, pour nous connaître des femmes voyantes dans le parlement, cap campé derrière nous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toutes les femmes d'Haïti, spécialement celles de la diaspora. Et ça, qui quittent nous, qui te goumé et qui mourit pour cause. Et nous connaissons en pile là-dedans, spécialement Myriam Melin à toute l'autre chose. Nous connaissons qui ça a été représenté pour nous. L'heure est présentement à la célébration de cet acquis institutionnel. J'invite tous les personnels techniques et de soutien, toutes les femmes et tous les hommes cadres supérieurs du MCFDF. Toutes les femmes d'Haïti à se réjouir. Un anniversaire, c'est un bagage que nous fêtons. Mais il faut que nous fêtions ensemble avec succès, dans la paix et sérénité, nous aimons l'autre. Et maintenant, de toutes femmes qui l'ont, on pose tête nous ensemble pour nous poser une question pour nous sortir d'Haïti côté là. Ce n'est pas le moment pour nous boumer, ce n'est pas le moment pour nous chirer pite, mais c'est le moment pour nous accompagner l'autre. Ensemble, messieurs, derrière nous, sous Godo Dinsa, que nous allons gagner une bataille là, qui c'est égalité femmes et garçons. Femme yo, allez, si oui, non, non. Femme yo, allez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Et présence moi là, moi te ka di moi gen sens trois chapeaux. Moi gen un chapeau en tant que députée femme parce que dans chambre basse gen que trois femmes députées. Moi là tout en tant que présidente commission conditions féminines et équité de genre, c'est-à-dire tout ça qui a rapport avec ce ministère au niveau de la chambre basse, c'est moi qui porte elle. Et c'est moi qui préside les commissions ça. Et moi là tout en tant que féministe. En tant que féministe qui croit que non l'autre Haïti, qui croit non Haïti côté droit moun garanti. Ou même pas parler de droit femme, droit moun garanti. Parce que c'est vision, moi, c'est objectif, moi, c'est ouais que droit moun garanti. Parce que automatiquement que droit moun garanti, droit pas en tant que femme, droit l'autre mesdames, la garanti. Et le ministère à la condition féminine, c'est un outil, un gros outil de Kadi et dans l'État qui permet son entité qui là pour gérer tout ça qui a rapport avec l'émancipation des droits de la femme, qui a rapport avec la politique d'égalité. Jou femme campé, bagala cavalombre, messieurs. Jou femme campé, bagala gadi lévé. 52% messieurs, yo plus passé nous. Si yo pote mourir sous nous, ça cabra pour nous. Si yo t'a dit yo pas voté encore, nous mêlés. Yo pas voté encore, nous mêlés. Yo pas travaillé là encore.